Et je me lève matin, bloc 6 heures, et je me connais le président mourir. Donc, Ariel Dengue doit aller là vraiment, et quand il doit aller, elle est arrivée, je ne suis pas au courant. Donc, il me lève matin, je me connais Ariel qui était payé à l'autre côté. Mais il y a Ariel, les gens n'ont pas allé là, même si Rivière ne m'a pas allé. Non, quelle est cette privation qui peut traverser la carrière? Voilà, même si Rivière ne m'a pas allé, elle me dit que Rivière de Nive, c'est Rivière de la Tibonite. Oui. Donc, moi, je me dis que Rivière ne m'a pas allé. Exactement. J'ai été dans la primature, j'ai été la carrière. Donc, et au contraire, tu as un conseil des ministres, Jean Cabanzo dit là. Donc, l'État, ok, c'est information à cet état, puisque, bon, nous disons l'État, Miami Herald, Bailly, comme information. Donc, Gary est en Twitter là. Voilà, Miami Herald, Bailly, comme information. Et puis, il y a un cachet là, dans le pays. Oui, il y a un conseil des ministres qui fait pour demander une intervention militaire et qui fait en Haïti. Bon, en plus, le monde doit analyser, chaque monde qui a analysé dans le sens pas. Chaque monde qui a analysé selon intérêt. Parce que, où est-ce que le monde, qui a vécu dans le pays là, toute activité au campé. Gen moun la ki gon kay on côté le baron ki la paix du gars là. Bon, moun sa et pour la paix lié. Donc quelque chose côté la paix absolue, quelque chose la paix venir, ouais moun sa la pour la paix. Ouais, mais gen doit gen l'autre moun ki plus nationaliste que tout l'autre moun. Et gen doit gen l'autre moun tout kap di yo pa vle blanc, c'est parce que yo gon kay Miami. Et Miami yo rete, c'est New York yo rete. Ou bon c'est République Dominicaine yo rete là ou gen bien. Donc que blanc vini, que blanc va vini, ça va garder yo. Que nèg yo permet pays a gen gaz, li pa gen gaz, ça va garder le comme ça. Contrebandier par exemple qui nan mouvement ça tout parce que mouvement pas seulement gouvernement là non. Oh clairement. Mouvement pas seulement gouvernement Ariel là qui met prix gaz là. Mouvement gen contrebandier, nèg qui met fait contrebandier. Nèg qui met fait contrebandier, yo pa le premier catégorie moun qui pa vle blanc vini parce que si blanc vini, ba la font camper. Déranger. Ouais, li ba la font camper, yo pa changer l'autre formule mais la font camper pour petit temps. Bon ouais nèg sa yo, c'est aussi, y a met au costume nationaliste. Il y a dit personne pas que doit venir là. Donc chaque monde qui arrive là on gens mais au contraire important analyser regarder qui intérêt chaque groupe monde gagne derrière la paix que nous voulons jouer en Haïti parce que Jean est pays là il est pour monde li bon. Jean est pays semaine ça là. Il y a monde qui fait créer business. Oh oui, oh il y a monde qui fait créer business et il y a monde qui pas de cob qui fait cob. Donc il y a pour monde Jean est pays là pendant 4 semaines ça il est bon pour eux en pile. Bon, imaginez, ou pas d'avance ça. Gè pour moun ki nan pouvoir, ça ka passe à la bon en pile. Parce que gè pile nè ki te fan pile kob kon sa sou jovenel. Ouais, ouais. Parce que comme y a ba nèg la pot kob ale, li gon commission nan kob la pot ale. Donc on a tant que semaine yo passe crise la pas résoudre, li gon kob la pot ale de temps en temps. Donc li gon 3 millions, li gon 4 millions que la fait chaque semaine. Donc c'est de bon, ouais, pour nèg ça, nous te met fè 6 mois. Dans la crise, les gens ne peuvent pas sortir, il n'y a pas un problème, il n'y a pas de problème net. Oui, c'est mais dans la situation, il résout. Il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il n'y a pas de balcon pour aller encore pour faire commission. Donc c'est des gens qui sont ménagés. Oui, dans le trouble. Oui, dans le trouble, les gens font tout beurre. Bon, c'est un pays qui est très complexe. Bon, nous avons invité nous, et après-midi, et quand on a cherché invité. Donc, et bah yo pas facile du tout dans le pays d'Haïti et Jean nous est là ces derniers temps et adresse premier ministre dans moi-même ndeweli moi annoncé lui moi pense premier ministre t'a venir il t'a parlé dans l'autre bail premier ministre vini j'ai l'impression c'est ministre affaires étrangères il vient démenti donc premier ministre dit pas capable encore premier ministre dit pas capable encore lui-même il besoin. Il besoin moun, il besoin international là pour qu'il vienne ballon coup de main, pour qu'il vienne aider à ça que n'a passé là. D'ailleurs où est ça, où elle fin fait adresse là. La veille, le lendemain, ouais, il fin fait adresse à la veille, le lendemain au fond conseil des ministres et ouais Miami Herald qui est en doux que et yo font conseil des ministres, yo sien pour demander pour qu'il y ait une force. OK, une force internationale qui débarque en Haïti. Qui fait lui là? Qui est-ce? Miami Herald. Non mais pas bien non blanc la donne. Blanc la donne. Donc côté Bamdou. Côté dirigeant haïtien va gêner pour relo journaliste en Haïti pour dire mais ça nous soutient information que gain mais blanc participe la donne yo. Blanc ça yo a bail Miami Herald information, blanc ça yo a bail CNN information. Bon, OK. Donc nous déjà gagné invité nous là qui c'est Dali Valet. Donc Dali Valet m'ba quoi je ne peux pas présenter Dali Valet. Je ne peux pas présenter Dali Valet.
Donc c'est lui-même qui invite nous après-midi à dans l'émission Haïti Débat. Monsieur Larivalé, bonsoir. Bonsoir Jean-Mé, bonsoir à tout panel là. Et bonsoir à tout auditeur Radio Scopio, spécialement auditeur fanatique d'émission. Allô? Allô? Et bon, et c'est bon. C'est pas là. Oui, allô? Oui. Ah, ok, ok, nous t'endons là. Yeah. En tout cas, je salue nous tous, merci pour l'invitation. Et merci tout auditeur de ce que vous branchez l'émission. Oui, allô? Oui, allô, est-ce que vous entendez blanc? Attendez, monsieur Valet. Allô? Oui. Okay. Monsieur Lali Valet, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le panel là, merci pour l'invitation. Et puis, je salue spécialement tous auditeurs et fanatiques. Bon, radio, ça va gagner auditeurs seulement, il y a plus fanatiques que auditeurs. Mm-hmm. Donc, il y a tellement de monde qui aiment Jean Bagayo, l'idée va brasser l'autre bord en équipe ça. En tout cas, je suis content d'aller en débat avec François, après-midi. Mais pour eux, il a demandé qui joue y est Dali Valet. C'est une question difficile pour nous répondre en Haïti. Oui. Mais on va essayer, dis-nous, qui joue y est? Moi là, et nous obligé là. Et pas oublier que c'est un élément classe moyenne qui, après plusieurs années, l'autre bois, étudier, travailler, puis décider de retourner. Ça veut dire que, dans le moment, la gampile n'est classe moyenne pareil, moi, qui retourne l'autre bois. Et moi-même, moi, dis non, élite, un pays, c'est l'un pays, il faut le être. Tu vois? Mm-hmm. Donc, tu dois être au chevet de votre pays pour être capable d'accompagner le pays où, dans le combat, dans le projet, dans le désiderata de la population. Et puis, pour être capable de dessiner des trajectoires qui sont capables de permettre de déboucher, en fait, sur la terre promise, mais au moins sur une terre beaucoup mieux vivable que ça nous gagne là pour le moment. Donc, je suis de ceux-là qui sont restés au pays et qui décident de rester et qui ne font pas. Et voilà. Donc, je suis au pays, j'aime voyager dans le moment, m'absuivre réalité, et puis me décider, je participe à son femme par les idées notamment, par le micro, tant que le micro là, et puis par la plume, surtout sur les nouveaux médias et les réseaux sociaux. Mm-hmm. Très bien. Maintenant, par rapport avec ça qui a passé, Dali Valet, on a regardé ou écrit un texte par rapport à ça qui a passé hier soir, un ensemble de monde dans la population qui fait fête parce que vous dit Ariel Henry comme premier ministre, l'a démissionné. Et expérience dans la politique en Haïti, retracez pour nous, est-ce que qu'on a une forme de bagaille ça qui arrivait de monde qui dans la population qui ont information soit qui vrai ou qui fausse et puis qui fait fête mais à la fin yo ouais que Mounio dit qui démissionné il continue en poste. Bon, premièrement et avant nous faire on fait l'histoire tournant dans l'époque en tant que c'est formé informé. Et en nous de manière très très liminaire on nous dit que on peut définir qui ça désinformation parce que tout le monde va parler de désinformation, mais nous pas du même bagaille. Mais on entend nous de manière technique et scientifique, puisque nous tous qui là, nous sommes professionnels de la communication, qui ça qui est désinformation? Eh bien, formation, lui-même, l'histotie du latin. L'histotie du mot latin, forma, F-O-R-M-A. Veut dire justement la beauté. Forma veut dire la beauté en. Donc autrement dit, et former, c'est parler de beauté. D'accord? Mm-hmm. Informer, sous-prend suffixe, préfixe, in en latin toujours. Livre du constat, c'est entrer dans, c'est pénétrer, c'est introduire. Donc informer veut dire que étymologiquement, c'est introduire la beauté dans un espace. L'espace peut être mental, l'espace peut être physique, l'espace peut être une organisation. Donc c'est ça un peu le mot. Autrement dit, le 2 justement, on parlait de dévier
l'information de sa trajectoire. Trajectoire qui veut dire que introduire de la beauté dans un espace. Donc, des informations, même son détournement de l'information. Son détournement de la beauté lui-même en soi, justement, c'est, il en voulait désinformer maintenant, c'est introduire le monde archaïque, que le monde de chaos. Et ça passe hier soir. Donc, c'est comme ça pour nous comprendre. La désinformation, c'est une mathématique, nous pour nous discuter aujourd'hui. Parce que si le concept de la chita, donc on va s'en plus à parler là, mais nous ne pouvons plus identifier auditeur vraiment. Donc, autrement dit, maintenant, l'infinite, nous, ce concept-là, lui-même, c'est que la désinformation, on a gardé de manière la historiographie récente, nous, côté désinformation, aussi. En tout cas, moi-même, Dali Valet, on va aller. Est-ce que vous êtes capable de tout définir pour mon diffamation, pour vous capable de comprendre et comme si deux termes à eux, désinformation et diffamation? Et quoi? Diffamation. Eh bien, le mot diffamation, justement, c'est la déformation de réalité. Autrement dit, c'est porter préjudice à partir d'une information transgressée. L'information transgressée, c'est quoi? Justement, l'information détournée, c'est l'information manipulée. Donc, autrement dit, on fait de manière délibérée pour capable tromper le monde, pour capable sale caractère au monde, pour capable, justement, dérouter l'intelligence de la collectivité. C'est ça, oui, l'idée de toute question, ça. Donc, autrement dit, pas gagner innocence dans la désinformation ni dans la diffamation. Son projet, et en analyse du discours, il est capable de dire qu'il est pragmatique, qu'il est objectif, libérateur. Ça veut dire que, ou pas diffamer sur le monde, sa raison. Ou pas faire des informations, sa raison. Autrement dit, ça s'est passé hier soir là, il était gagné un objectif. Il y a un objectif, sans nous comparer l'impact actuel là, il y a un objectif, et MDKD, purement et technique, c'est créer le désordre. Retourner Mounio, le chaos mental. Autrement dit, il y a gourmet contre le pouvoir, et puis qu'on y a un élément qui est introduit, rappelez-vous qu'on a l'autre niveau encore, pour qu'on ait que ça est l'eau en sens de la communication, et la dissonance cognitive. Vous connaissez la dissonance cognitive là? Mm-hmm. C'est comme si m'tadou là, ou chita d'un micro-on là. Ou chita d'un micro-on, et puis qu'on y a moi-même, moi baillon information sous. Ok. Sam baille sous ou en connaissant, qui est vrai, qui n'est pas vrai, lui créer une dissonance la caillou. Déjà, une dissonance, elle dit que lui déstabilise, qui parle dans un système ou bien, ou prend le mal, le ghetto attitude possible. Première attitude, dans c'est que lui capable. On dit que Warden que ou bon petit ou courant, mais en pile, qui sont assassins, ou bien clan gang, ou pas qu'on bagaille comme ça. Mais autrement dit, il crée dissonance. Là. Réaction qui est possible en un, mais toujours tout ça. Depuis qu'il y a une dissonance, on a ou bien les gourmets ensemble avec l'eau dans l'information. Ah, monsieur Frère, mon cher, pas monsieur Bindi, petit peu la gang, les gourmets ensemble avec vous. Deuxièmement, ou bien les rentrer dans sa réunion, toujours dans le processus, ça y est, l'engagement de l'étiquette, il parle avant, il communique avant, pour laisser comprendre pour qu'ils soient petit peu à la gang, petit peu à la gang. Ok? Ou bientôt, l'IVE était bien vague. Ah, M. Sélan, c'est la pensée, moi j'ai une balle vague de pas occuper. Mais de toutes les façons, la dissonance que ça crée dans le système cognitif, l'IVE a suscité une réaction quand même. Vous remarquez hier soir, ça a passé dans le pays hier soir. Allô? On va laisser rejoindre encore. Ça, c'est pas notre com, hein? C'est okay. L'autre là. C'est l'autre là? Oui, c'est l'autre là. C'est pas notre com. C'est 50 là-bas qui dégoûtait. Mathieu, on fait un message à passer. On a notre com, William. Oui, allô? Oui, on continue. Compagnie, on va y aller. Oui, on connaît le signal, on connaît pas bon. Donc, il faut que nous, auditeurs, nous attendions à ça. C'est-à-dire qu'il faut que nous profitions de tout en nous en dedans. Pour nous bailler le maximum d'informations et de formations possibles. Mm-hmm. Très bien. Tout à fait, c'est ce qui s'est passé hier soir. Oui, on a parlé de hier soir. Hier soir, il y avait un lieu qui s'est pris dans la ville.
qui sont lieux de pouvoir politique, de pouvoir intellectuel et de pouvoir économique. Autrement dit, c'est seul espace en d'un pays, là, côté le pouvoir économique dominant, le pouvoir politique dominant, le pouvoir intellectuel dominant, a coexisté, même si on va en dernier, mais il y a l'entier espace ça. Là, autrement dit, en termes de densité, c'est un anti espace dans la géographie mondiale là, quand on joue plus éléments de pouvoir qui a coexisté au mètre carré. C'est Pétionville. Mais c'est là que son information sortie. Et c'est là tout population prend la rue. En premier. Pour créer carnaval là. Mais, gros bagage pour nous connaître, depuis la question, depuis ce bagage qui est très classique, là, tout le monde cap utiliser non seulement comportement foule, avec question pouvoir de la communication. Gustave Le Bon te dit que la manipulation des foules, la psychologie des foules, les éléments en foule ne peuvent se passer de maître. Donc, autrement dit, pour les gens qui décident la Pétionville, là, créer l'aime de Pétionville, là, prenant en termes de métaphore, ok? En termes de gros monde qui décide des informations, hein? Et deuxièmement, gros monde qui décide de prendre la rue. Population des noirs qui prend la rue spontanément, mais ça, c'est le monde qui vient suivre. Hein? C'est deuxième étape dans le mouvement. Première étape, autrement dit, au début, au commencement, il y avait un laboratoire qui pensait tout ça. Mais lorsqu'il pensait tout ça, à quelle fin? Il va faire de manière gratuite. Autrement dit, ou qu'à comprendre que ça te passe hier soir, ou bien de participer de logique de compétition pour le pouvoir qui gagne en Haïti, qui gagne dans le pays là pour le monde, une compétition pour le pouvoir, un secteur qui voulait prendre le pouvoir, un secteur qui a résisté pour le pari de notre pouvoir, et puis un autre secteur qui a observé. Maintenant, deuxième élément pour capable de comprendre, c'est que son logique, son sort, dont test, en parlant des faits, pour qu'on ait que, on sort de sondage que lié. Pour qu'on ait que, qui niveau mécontentement réel population par rapport à pouvoir réel là, et qui niveau et d'adhésion tout que population gagne par rapport à pouvoir. Mais on va qu'on bagarre dans la fête d'un moment, côté qu'on sort en concomitance. Il y a deux événements. Il y a eu un espace, mais il y a eu deux événements majeurs. Oui, allô? Oui, ça va. Mais continuez. Ok, il y a eu deux événements majeurs. Un événement, c'est l'opération de désinformation, autrement dit de manipulation de l'opinion. Deuxième élément, c'est le Conseil des ministres. Côté que gagné, il y a un bagage qui décidé et qui a marqué l'avenir, pas l'avenir petit pour longtemps. Ces questions, la demande pour une nouvelle présence militaire étrangère dans le pays, d'étrangers dans le pays. Donc, autrement dit, qui j'en ai capable de relier tous les deux ensemble? Qui j'en ai capable de relier? Donc, maintenant, relier, c'est que pouvoir lui-même, lui rend ni côté lien populaire. Donc, lui pas capable et faire rester suivi si blanc décide, faut qu'il opère un chemin ensemble avec lui. Donc, faut qu'on demande qu'il fait pour, de manière formelle, hein, un conseil des ministres, quelque part, c'est des crimes de haute trahison, selon la Constitution. Parce que tu as des dirigeants de pays qui chita. En violation de la Constitution et qui a demandé pour force étrangère, venant d'un pays. Autrement dit, tout le monde chez ça au clan gouvernement. Hein? Donc là, nous l'avons l'éditionnel. Donc maintenant, évidemment, ils ont fait appel à cette demande parce qu'ils ont rendu compte que si pouvoir ça allait, en fonction de ce qui passait dans la rue hier et en fonction de ce qui passait bien avant, en amont, capable d'avoir un grand débordement dans le pays. Et bien, grand débordement, ça, il est capable d'expliquer justement raison qui fait que Blanc lui-même, il peut grand débordement, ça, et puis il fait gouvernement mander une force étrangère. Mais pas oublier que gouvernement ne fait qu'avaliser
ne fait que Canada avec la France à Papman depuis quelque temps. C'est un travail joli. Donc maintenant, bon, l'autre bagage, vous ne pouvez pas oublier tout. Toutes les de la minuit, de la ministre en Haïti, de minuit avant, c'est toujours gagné une lettre de président haïtien qui fait, qui demandait l'ONU, Conseil de sécurité, pour renouveler. Autrement dit, son sorte de tellement souverain. Donc son pays et sa rélo, ils ont quasi état. Son pays, justement, qui perdu pour souveraineté politique et souveraineté politique, ça, l'obligé négocier avec l'international. International a aidé à faire une élection, mais l'élection a aidé à faire, pas élection pour élu, vous voulez, non, c'est élection pour élu, vous voulez accepter. Vous voulez. Nous nous corrompons, d'ailleurs, car il y a des manipulations qui font un processus électoral dans le pays d'Haïti. Donc, autrement dit, nous sommes dans un grand jeu, côté que son renouvellement, son réactualisation de processus traditionnels de manipulation de l'information, parlez encore moins de que information, vous dit que, étymologiquement, in, vous dit dans, vous dit beauté, c'est intro. Produire de la beauté dans un système mental, physique ou bien organisationnel. Et bien, qu'on y a, et puis dans l'autre opération qui a préactualisé, c'est la mise sous tutelle du pays, bien que j'ai sous tutelle déjà avec cette prise, cette binée, cette toute mission de l'ONU qui renouvelait, c'est eux-mêmes qui ont décidé pour, c'est eux-mêmes qui, quelque part, complice de l'assassinat du président Jovenel. Donc, ça sont l'autre détail, mais qui est très essentiel. Pour nous comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti, je ne veux dire. Bini, appuyé, je. Monsieur, attendez, par contre, il a suivi, moi, ou bien si nous mettons continuer, ou bien si nous mettons bon petit temps pour nous. Non, il n'y a pas de souci, il a suivi avec attention, puisque vous êtes un analyste politique, et quand on prend l'éan, et puis devant, on a rentré. Ok, monsieur, mais nous comprenons. Moi-même, nous avons passé nous tous qui l'ont suivi, ça. J'ai vu dans ce pays, et j'ai compris. Une belle analyse diachronique pour nous. Là, l'homme dit diachronique, là, je dis que c'est une démarche historique, mais qui partit de l'actualité pour remonter dans le temps. Je vais remonter avec nous après la mort du président Jovenel. Après la mort du président Jovenel, ça qui est passé. Jovenel choisit, quelques jours avant de mourir, Monsieur Kila, Ariel Henry comme premier ministre. Là, il mourit, conceptuel opposition, t'as promis contre Jovenel, là, il proposition, il fait sortir en note, il dit que, il voulait, c'est pour Jovenel, c'est pour Ariel Henry, et rester pour le gouverner comme premier ministre pour l'assurer de transition. Ok, nous là. Est-ce que nous là? Nous là. Ok, yo dit ça, bon, nous souhaitons, et tout le monde, une dizaine de partis politiques qui sautent notre pour appuyer Ariel pour gérer la transition après Jovenel. Alors, le blanc dit que le parle en Jovenel, il parle à Ariel. Il parle à Ariel, c'est l'un que Joseph Lié. Il parle à Ariel là. Donc, c'est bizarre. Comment fait que le président qui mourit en choisit un premier ministre? Et de l'opposition qui t'a promis là, nous dit que y'a pas de problème avec le premier ministre. En nous, c'est bien comme premier ministre. Mais Blanc dit non, y'a pas la donne. Y'a Claude Joseph. Maintenant, Claude Joseph, premier ministre, en pire tractation à fait. Maintenant, c'est que ça qui t'a appuyé à Ariel Henry. Y'a dit non. Et y'a besoin de l'autre schéma, l'autre compromis pour joindre, y'a parlant Ariel. Y'a besoin de l'autre schéma, l'autre compromis pour joindre, y'a parlant Ariel. Pendant que tu as retiré soutien à Ariel, plein dit bon,
OK, d'accord. M'la Ariel connait ça. Ça me dit pas là. Il y a pas Ariel, c'est Ariel moins vrai. Il y a une stratégie dans pays ça depuis avant 1915. L'ancien 19e siècle, rivé dans le début 20e siècle avec l'occupation américaine qui commençait en 1995. Ans. C'est diviser l'Haïtien. C'est diviser l'Haïtien, empêcher yo Antonio. Autrement dit, si Ariel Henry, en 1915, et après la mort Jovenel, c'était pays avec secteur politique qui était imposé, ou bien qui était d'accord pour Ariel Henry, premier ministre. Blanc lui-même, il a perdu le contrôle processus politique là. Or, comme il voulait gagner le contrôle processus politique là, il faut que le monde qui a dirigé Haïti, si il a l'élection, il faut qu'il a grand prix de vote. D'ailleurs, là, on nous compte depuis matin, il passe par Jovenel. Regardez combien de monde qui vote en président, moins qu'un million de monde, sur une population de près de 12 millions. Donc, vous êtes condamné à avoir des crimes à répétition, vous êtes condamné à avoir des récurrences de crimes de stabilité. Parce que les, ceux-là qui nous gouvernent ne sont pas représentatifs de la volonté de la majorité de la population. Donc, autrement dit, nous nous sommes prêtés pendant longtemps à ce jeu de blanc, et puis nous pensons qu'à gouverner avec blanc, mais blanc ça a besoin. Il a besoin des dirigeants haïtiens qui n'ont pas de légitimité suffisamment, qui n'ont pas de base sociale suffisamment, qui gardent après l'homme au président Jovenel. Blanc tape supporte elle, mais qui m'a noté qui prend la route des manifestations? Personne monde. Personne monde. Parce que Jovenel, non seulement il était élu avec un faible score, près de 500 000, mais aussi, il était quelque part d'une légitimité populaire avec bonne contestation et insatisfaction de la population pendant réunion. Eh bien, c'est ce que nous, c'est ce que nous vivons là. Oui, qu'on y a avec Ariel. Vous avez un monsieur que le blanc a soutenu, monsieur Ariel Konya, après que blanc a été par l'aile, il a vint accepter le Konya parce qu'il vint affaibli, il n'a pas une grande légitimité politique encore. L'adhésion au secteur politique de Kabali, il a affaibli, et puis il a quitté le pouvoir. Et puis, jusqu'à ce que le Konya là, pour se donner de la légitimité, même si la démarche de tu ne peux pas t'asseoir dans un hôtel avec un série de monde qui presque pense le même genre avec vous, ok, au jour de la gagne le Montana, c'est bien que les Haïtiens se réunissent. Mais maintenant, tu décides toi-même qui sera président, qui sera premier ministre, ok, tout cela c'est bien puisque. On est capable de rêver en politique, mais monsieur et Ariel auraient dû s'adjoindre ces forces qui étaient là comme Montana d'une façon ou d'une autre pour être capable de bailler les pieds, pour élargir la base politique et pour le gouverner le pays. Il aurait dû faire ça. Au moins, à ce moment, par contre, qu'il formule le d'adjoint, ou bien Ariel président, ou bien le premier ministre, je ne sais pas. Mais il aurait dû s'adjoindre cette force politique quand même, qui est Antonio, puis rejoindre une formule, même s'il avait une certaine dose d'utopie un petit peu exagérée, un petit peu aussi infantile. Mm-hmm. OK? Donc, maintenant, c'est dans le cas que nous là, les cooptés ont un groupe qui sont dans la même mouvance politique à elle, ancien Pampra, ancien Unité, ancien Vérité, tout bagage à eux, puis au fond, ils cliquent et puis ils gouvernent. Et puis à gouverner, ils ont confisqué le pouvoir pour eux, ils n'ont pas créé les conditions pour élargir la base d'adhésion politique dans le pays, ils n'ont pas créé les conditions pour créer l'apaisement social dans le pays, ils n'ont pas embauché, ils n'ont pas créé les conditions pour retourner le pays dans une certaine normalité, et plein lui-même les contents. Plein contents, non, je veux dire ça. Et puis, pas oublier encore, c'est le même blanc qui est venu, qui soi-disant cap vini. Pour une protéger démocratie. Hein. Est-ce qu'on oublie? C'est même blanc ça yo, qui acceptait que Matéli fait 4 ans, 5 ans, pas jamais fait élection, et puis ils ont soutenu quand même. Comment peux-tu dire comme organisation internationale que tu es venu soutenir le processus démocratique en Haïti, que tu es venu renforcer les institutions existantes, tu as accepté que monsieur, élu,
il passe l'élection, Michel Martelly, il fait 4 ans par jour de l'élection de cette pays. Il faut équipe CEP, démagogie, et puis plan toujours soutenu, envers et contre tous. Mm-hmm. Et bien, il faut se poser la question, quelle a été la mission de ces blancs? Mm-hmm. Est-ce que c'est parce qu'il faut conduire le pays en situation que nous là? Jusqu'à ce qu'on ait eu à tourner en force ouvertement, il n'y a pas l'anti-BINU encore, puisque le BINU pas correspond à l'agenda international, hein, que nous pas connaît, mais qui est presque lisible dans leurs attitudes, leurs comportements, leurs actions, les décisions qu'ils soutiennent en Haïti. Après que l'élection fin faite et sous président Rivière, eh bien, Jovenel Moïse élu, il n'y a pas comme d'élection non plus. Jusqu'à ce qu'il y ait eu Zoubou Valbaye en élection, blindé avec Jovenel jusqu'au bout, avec Ariel toujours, Ariel pas posé aucune action qui montrait que les besoins de normalité, de jouer un accord politique qui pourrait un pays à plus ou moins gouvernable et stable, blanc d'elle, il se dit la réunion ensemble avec lui. C'est quoi? Pourquoi le blanc veut-il à ce que ce soit des dirigeants sans base populaire, sans légitimité politique large, sans y a une certaine légalité constitutionnelle réelle qui pour gouverner le pays, hein, et pour qui raison? Et même pour être capable de jouer un chaos que l'il est là. Mm-hmm. Et c'est dans ce chaos que les gangs ont été entretenus avec l'accord du blanc. Parce mm-hmm. que, pas oublier, lorsque la fédération de gangs G9 est faite, Madame Lalinde, l'Italie dans le Conseil de sécurité de l'ONU, pour le dédicer une plus beau décision, il prend président Jovenel Blanc pour faire la paix. Qu'on y a fait même lui-même dans qui a appuyé la décision de cette capable de dire en société cap sécrétée des gangs avec l'aval de l'État. Et bien maintenant quand j'entends l'ONU dire Canada il pas prendre sanction contre gang, mais c'est une blague, mais gang va voyager, il faut un compte en banque et leur voyager c'est avec adhésion même blanc à eux encore, puisque blanc connaît ses chefs, il y a pas eu visa quand même pour entretenir. Donc autrement dit, le désordre, le chaos qui vient là en Haïti, il est entretenu aussi bien par l'international que par les Haïtiens, exactement, qui les deux constituent, ça me fait capable de les...